Good morgen, allez, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Vefani Armand Amram ben Sulika et Shalom ben Chibiba. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions à Sechet Yivamot Perek Bet Mishna Vav. Mishé Kidesh Achat Mishtei Achayot. Veno Yodea Eizo Mehen Kidesh. Noten Get Lezo Ve Get Lezo. Met Velo Achechad. Choletz Lishtein. Ayolo Shnaim. אחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וכנסו, אין מוציאין מידם. Faites attention à cette Mishnah, parce qu'elle va commencer doucement, elle est facile, mais après, quand on va continuer la Mishnah bête, ça va être la même situation qui va se compliquer en deux doubles et puis en quadruple même. D'accord? Donc pour le moment, on retient le cas, il est très simple, on parle de Mishé Gedesh Achat Mishté Achayot. Une personne qui est partie marier une des deux sœurs, mais il ne sait plus laquelle. Il est parti chez Yaakov, et il est parti chez Lavan plutôt, Yaakov il est parti chez Lavan, il a dit bon je veux marier une, et à chaque fois il disait Rachel, Léa, Léa, Rachel, et puis il ressort, il a tellement brouillé ce ramaï, qu'il ressort de chez lui, il sait plus, j'ai marié qui dans l'histoire, Rachel ou Léa, donc maintenant il a un doute, est-ce qu'il a été marié avec Rachel ou avec Léa? Et ben le pauvre, Veno Yodea Isomen Kidesh, il ne sait plus laquelle des deux il a marié, la fille elle ne se rappelle plus, et la vanne on ne peut même plus compter sur lui non plus. Et bien là, il n'a plus d'autre choix le pauvre que Noten Get les autres, et Get les autres, il devra donner un get à chacune, il devra les divorcer, il ne pourra se marier avec aucune. Parce qu'imaginez qu'en fait il s'est marié avec Rachel, il n'aura plus le droit de se marier avec Léa, c'est la sœur de sa femme. S'il y en a une qui décède, il aura le droit de prendre la deuxième. Mais tant qu'elles sont vivantes, peut-être qu'il a marié Rachel, donc il a le droit de se marier avec Léa, peut-être qu'il a marié Léa, et donc il ne pourra plus se marier avec Rachel. Il n'a plus d'autre choix que de donner le get aux deux. Le pauvre Yaakov, il a été tellement triste, vous savez ce qui s'est passé? Il a fait une crise cardiaque. Met. Il est mort. Maintenant, Yaakov, velo achechad. Il avait un seul frère, Esav. Alors quoi? Choles lishtein. On va demander, bon, Esav qui a fait tchouva. On va dire, Esav, bon, viens Esav, non, sache que tu dois faire la chalitza aux deux. Il n'a pas le droit de faire le hiboum. À aucune des deux. Pourquoi il n'a pas le droit de faire le hiboum d'abord? Vous allez me dire quoi? Il n'a qu'à prendre Rachel, il fait le hiboum. Parce qu'au pire, au mieux, c'est la femme de. C'est la femme de personne. Elle n'a jamais été mariée, donc elle a le droit de se marier. Et ça, en théorie, elle aurait le droit de se marier avec la sœur de. Avec sa belle-sœur. Deux frères ont le droit de se marier avec deux sœurs. Apparemment. Et si c'est la femme de Yaakov, c'est super, elle est en train de faire le hiboum. Mais c'est pas vrai. Parce qu'imaginez qu'en réalité. Alors là, retenez, c'est ça, on va en avoir besoin pour la prochaine Mishnah. Imaginez qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que Yaakov, il avait réellement marié Léa. Pas Rachel. Il s'avère que cette Léa, là, maintenant, c'est la Yevama. Elle est Zkuka, les Yiboum, ça s'appelle, elle est préposée. Oh, Yiboum, devant Esav. C'est considéré comme sa femme à moitié. C'est pas encore sa vraie femme, mais en tout cas, c'est à moitié sa femme. Il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, avec la sœur de la. Autant que j'ai pas le droit de me marier avec ma femme. Eh ben, si j'ai une Yevama devant moi, j'ai pas le droit de me marier avec sa sœur. C'est comme un peu sa sœur. D'accord? On en reparlera très longuement, c'est un sujet qui va venir, on va en parler beaucoup de fois dans ma Masechet Yevamot, c'est ce qu'on appelle la Yesh Zika, une femme qui est Zkuka Leiboum, la Zkuka Leiboum, c'est-à-dire qu'elle est préposée Iboum, j'entretiens un lien de à moitié marital avec elle, c'est à moitié ma femme, c'est-à-dire que toutes ses proches parents, elles sont interdites à moi, déjà. Et il y a encore toutes sortes de halakhot qu'on découvrira tout au long. Il y en a même qui vont dire que c'est ma femme, c'est suffisamment ma femme déjà à ce niveau-là, pour que je puisse, si elle fait un vœu, que je vais lui annuler. Parce qu'un mari, il a le droit d'annuler le vœu de sa femme. Mais je ne peux pas annuler le vœu d'une étrangère. Il y en a qui vont dire que je peux même annuler les vœux dans cette situation. Ça ne va pas être pendant le chien, ça va être pendant un gmara. Il y a un avis pareil. Juste pour vous montrer, c'est quoi le principe de la zika. Une femme qui est zkuka leiboum, elle n'a pas le droit de se marier avec personne au monde. Pourquoi? Parce que moi, je suis là. Vous vous rendez compte? C'est un peu comme si c'était ma femme. Elle est préposée à ce que je me marie avec elle. D'ailleurs, je me marie avec elle sans lui donner les kiddushin. Et elle peut pas se marier avec nulle part au monde. C'est à moitié ma femme. C'est à moitié ma femme. Ses proches parents à elle deviennent interdites à moi. C'est la raison pour laquelle maintenant, lorsque Yaakov, il ne sait plus laquelle des deux femmes il a mariées. Ça peut être Rachel ou ça peut être Léa. On ne va pas permettre à Esav de se marier avec aucune des deux. Parce qu'il va être obligé de faire la Khalitza aux deux. Étant donné que s'il en prend, il y prend Rachel. Alors si jamais c'était effectivement la vraie femme de Yaakov, alors bingo, c'est super, c'est permis, c'est la femme de Yaakov, maintenant ça devient sa Yevama. Mais si toutefois Yaakov s'était marié avec Léa, c'est-à-dire que Léa, elle est préposée au Yiboum, des Zkuka, les Yiboum. Yaakov n'a pas le droit, Esav, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur.
Maintenant, nouvelle situation. En réalité, Yaakov, il avait deux frères. Ayuloshnaïm, il avait deux frères. Il avait Esav et il avait Ishmaël. D'accord? Imaginez. Il a deux frères maintenant. Alors là, on a la possibilité de marier quelqu'un. On va dire au premier, on va dire, écoute, Esav, fais la Khalitsa à Rachel. Et Ishmaël, il pourra même faire le hiboum s'il veut. Parce que là, regardez comment ça se passe. On va vers de deux choses l'une. Soit réellement la vraie femme de Yaakov, c'était Rachel. Alors Esav, il lui a déjà fait la Khalitsa. Et après, Ishmaël, il n'a aucun problème à aller se marier maintenant avec Léa. Parce que ce que j'ai pas le droit de me marier avec la femme qui est Zkouka, avec la sœur de la femme qui est. S'il y a une femme qui est Zkouka, là, il boum. J'ai pas le droit de me marier avec sa sœur. C'est vrai. Et si je fais la Khalitsa, ça devient un Chot Khalutzati. Mais si j'ai mon frère qui va lui faire la Khalitsa, moi j'ai le droit de me remarier avec elle. D'accord? Selon ce principe. Il y a maintenant Léa et Rachel qui sont devant. Et on a dit les deux frères, Ishmaël et Esav. Esav et Ishmaël. Esav, il commence à faire la Khalitsa à la première. Et maintenant, Ishmaël a le droit de se marier avec la deuxième parce qu'il va dire de deux choses l'une. Soit c'était Rachel qui était mariée. Rachel a déjà eu la Khalitsa, j'ai le droit de me marier avec sa sœur, puisque c'est pas moi qui ai fait la Khalitsa. Soit réellement, c'était la vraie femme de Yaakov, c'était Léa. Ben c'est parfait, je suis en train de faire la mise du hiboum. Il peut se marier avec elle. Maintenant, nouvelle situation. Kadmu vekansu en motzin miyadam. Si toutefois, maintenant, ils n'ont pas posé de questions, chacun a dit, écoute, il a laissé deux femmes et on en prend une chacun. Esav, Ishmael. Esav, il a pris Rachel. Ishmael, il a pris Léa. Alors quoi? Alors, a posteriori, on leur permet de les laisser. Le seul problème qui s'est passé, c'est le premier qui a eu un rapport avec la première. Si Esav, il a commencé à se marier avec Rachel, par exemple. Lui, il avait un problème à faire le hiboum, à aller avec elle. Il s'est marié avec elle, il lui a donné des kiddushin, et il avait un problème de faire ça, parce que peut-être qu'en réalité, Léa, c'était la Yevama qui était Zkouka le hiboum. Il n'avait pas le droit de se marier avec sa sœur. Cependant, lorsqu'Ishmaël est venu, finalement, il s'est marié avec Léa, il a sauvé l'histoire, il a fait que maintenant, les kiddushin qu'il a fait, Esav, deviennent des bons kiddushin. Rétroactivement, quelque part. D'accord? Étant donné qu'un interdit de Achot Skukato, c'est qu'un interdit mais des Rabbanan, Rahamim m'ont dit, écoute, là, dans le doute, on ne peut pas leur dire de les divorcer. Ils pourront rester tous les deux mariés. Vous avez compris le principe? Prochaine Mishnah, ça va se compliquer parce qu'après, on va parler. On découvrira Bezrat Hashem tout ça dans la prochaine Mishnah, pourquoi mettre la charrue avant les bœufs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une longue pleine. Matzlacha, Kol Tov, Vesela.